C'est pourquoi, après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Bonjour et bienvenue dans la semaine de l'écho. Au sommaire de cette édition, en France, depuis l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale, la panique semble s'emparer des marchés. CAC 40 en berne, dette française au plus haut, saut dans l'inconnu, risque social, qu'est-ce qui inquiète les investisseurs? Quel risque ferait peser sur l'économie l'arrivée des partis extrémistes au gouvernement? On en parle dans un instant. Autre source d'inquiétude, la décision de la Commission européenne d'imposer des droits de douane supplémentaires sur les véhicules électriques chinois, une mesure protectionniste qui fait craindre des représailles. Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle pour l'industrie automobile européenne? Est-on à l'aube d'une guerre commerciale? Reportage et analyse dans un instant. Enfin, face à la disparition de l'écologie dans le débat politique et à la montée de l'extrême droite, quel avenir pour le Pacte vert en Europe? Ce paquet de près de 70 lois destinées à mettre le vieux continent sur la voie de la neutralité carbone en 2050. L'écologie est-elle condamnée à être une variable d'ajustement face à d'autres urgences? Eh bien, pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Patrick Brandmeier, directeur général de la Chambre de commerce franco-allemande. Bonjour à vous. Anne-Sophie Alsif, chef économiste du cabinet BDO France. Oui. Anne-Catherine Husson-Traoré, directrice générale de Novetic. Et Mathieu Cornietti, président d'Impact Partners, société de gestion à vocation sociale. Bonjour à tous les quatre et merci d'avoir accepté notre invitation. Depuis les résultats des élections européennes et avant le verdict des législatives anticipées dans l'Hexagone, les milieux économiques expriment leurs inquiétudes, résultat des taux d'emprunt en hausse et un coût de la dette de plus en plus lourd. Les explications de nos confrères de France 2. Sur les écrans de cette salle des marchés, des chiffres au cœur de toutes les attentions. Depuis les résultats des élections européennes, une courbe inquiète. Le taux d'emprunt de la dette française s'est envolé. Le coup de marteau, c'est la dissolution et on a officialisé le résultat du RN aux élections européennes. La France, elle empruntait autour de 3% la semaine dernière. Elle a eu un pic avec les élections à quasiment 3,40. C'est-à-dire que maintenant, elle emprunte beaucoup plus cher. Un mauvais signal pour les finances publiques et les investisseurs se retirent. La situation politique est trop instable. Et ça, on n'aime pas ça sur les marchés. Donc ça fait peur. Donc il y en a beaucoup d'investisseurs préfèrent se délester des actifs qui vont juger trop risqués pour le moment par rapport à un contexte donné. Des marchés frileux et qui jouent la sécurité. Un autre indicateur est très clair, l'écart entre le taux d'emprunt français et celui de l'Allemagne qui fait référence. 0,6 points d'écart hier, un record depuis le début de l'année. Selon les résultats des élections et les premières décisions budgétaires du prochain gouvernement, les marchés pourraient réagir encore plus fort. Là, on pourrait avoir des conséquences supérieures. D'abord, on verrait une dégradation des agences de notation. Et ensuite, on verrait effectivement cette prime de risque augmenter, renchérir le coût de l'endettement pour l'État français, rendre encore plus difficile l'exécution budgétaire parce qu'il faudrait rembourser plus d'intérêts. Et le coût de la dette peut grimper très vite. Si ce taux d'emprunt passait par exemple de 3 à 4%, cela serait 3 milliards d'euros d'intérêts de la dette à payer en plus la première année. Anne-Sophie Alsif, on voit beaucoup de frilosité ou beaucoup d'inquiétude sur les marchés européens, en particulier français. Est-ce la panique générale ou une certaine volatilité limitée à certaines entreprises, à certains secteurs? Alors, ce n'est pas la panique générale, hein, pas encore, on espère. Le problème, c'est deux éléments. Hein, vous l'avez dit, c'est un, le timing. Parce que comme on l'a très bien dit dans votre reportage, on vient d'être dégradé par S&P. On a eu le fameux chiffre de déficit public qui a explosé en 2023 par rapport aux prévisions. Et on est dans une situation, en effet, budgétaire très dégradée. Le gouvernement avait cet objectif de 3% en 2027, mais on voit que toutes les projections font qu'on n'y arrive pas. Donc, on était déjà dans une situation très préoccupante sur les finances publiques, notamment en raison du déficit. Et c'est vrai que, comme ça a très bien été dit dans votre reportage, les marchés, plus que le niveau de dette ou de déficit, détestent l'instabilité. C'est vraiment ça qui est vraiment sanctionné, l'instabilité, de ne pas avoir de vision à moyen long terme. Et c'est ça aujourd'hui qui fait qu'on est sanctionné. Donc là, à court terme, avant les élections, hein, les entreprises plutôt étatiques, en effet, ont été sanctionnées. Entreprises étatiques, vous voulez dire des entreprises ou les grandes entreprises françaises ou l'État des actions.
mais là, c'est plutôt conjoncturel. Ce qui va vraiment être déterminant, c'est après les élections et les résultats, de voir les programmes économiques des candidats chiffrés et l'impact sur les finances publiques. Vous avez dit que les finances publiques françaises étaient déjà dans le collimateur des agences de notation. Avec ces taux d'intérêt qui augmentent, est-ce que la dette française est en train de devenir un actif périlleux ? Alors, pour l'instant, pas encore, hein, mais c'est vrai que, comme vous l'avez montré, hein, vous pouvez avoir une pente de taux qui augmente énormément. Et le problème, c'est avec l'instabilité politique. Encore une fois, les marchés détestent vraiment l'instabilité. Bien, ça peut aller vraiment très vite. Donc, on n'est pas dans la même situation que l'Italie, hein, qui est aujourd'hui la dette qui peut paraître la plus risquée de la zone euro. Mais on peut s'en rapprocher si on est en plus dans une situation d'instabilité. On parle des élections, mais on voit les résultats. On voit qu'il y a à chaque fois trois blocs qui se dessinent, donc deux qui pourraient faire toujours alliance pour renverser un. Donc, même après les élections, la question, c'est est-ce qu'on aura une stabilité durable, au moins jusqu'à la fin du mandat, pour les trois prochaines années, ce qui n'est pas sûr. Alors, cette semaine, ce mardi plus précisément, le MEDEF, la principale organisation patronale, a publié un communiqué pour s'opposer à certaines mesures figurant dans les programmes du Rassemblement national ou de la France insoumise, comme par exemple le retour à la retraite à 60 ans ou à 62 ans, l'indexation automatique des salaires sur l'inflation ou encore la nationalisation de certaines industries, certaines entreprises dites stratégiques. Autrement dit, on peut l'imaginer, hein, des mesures qui, en termes de vont peser sur, sur les finances publiques. Est-ce que vous partagez ces inquiétudes ? Disons que le sujet, c'est surtout non seulement une instabilité, mais une impossibilité de lire le résultat. C'est-à-dire qu'en fait, la dissolution a rebattu toutes les analyses qu'on pouvait faire du résultat des élections européennes, qui sont comme ça devait être, c'est-à-dire un résultat par rapport à ce que sans fait appeler l'Europe, clairement et par rapport à ce que fait l'Europe, donc quel projet elle avait. Là, on ne sait plus du tout quel est le projet français en fait, et on saura probablement pas le 7 juillet où est-ce qu'on va. Et la paralysie est quand même parce que ça serait une première fois qu'on aurait probablement une cohabitation avec une majorité relative. Et donc ça, c'est le terrain incognita. Premier sujet. Deuxième sujet, sur le côté, on renvoie les deux extrêmes, qui est la position du président. Ce n'est pas ce qui se passe, puisqu'en fait, le Front populaire vient de proposer un nouveau programme et qui, lui, est assez axé, justement, sur des questions écologiques, etc. Donc le sujet qui est rebattu aujourd'hui, ce n'est pas tellement les finances publiques, c'est à quoi ça sert. On a vu que la dissolution, par exemple, a suspendu la planification écologique, a suspendu toute la stratégie. Tout un tas de mesures qui étaient en cours. Oui, c'est ça. Donc, en fait, toute la stratégie d'adaptation du pays à des enjeux qui sont là et qui ne sont pas politiques. Donc, le sujet aujourd'hui, et c'est un sujet évidemment pour la dette, c'est-à-dire la soutenabilité de la dette, elle est liée certes à la politique fiscale ou à ce genre de choses, qui est déjà un sujet plein de points d'interrogation, mais elle est aussi liée à la soutenabilité du modèle agricole, à la soutenabilité du modèle énergétique, etc. etc. Donc là, on a des vrais points d'interrogation, ce qui fait que d'ailleurs, les valeurs financières et ceux qui font des infrastructures sont ceux qui ont le plus souffert dans le CAC 40. Donc on est bien sur quelque chose où on se demande jusqu'où va le modèle global de la France. Mathieu Carnetti, ces points d'interrogation, ce saut dans l'inconnu en tant qu'entrepreneur, est-ce que ça vous inquiète ? Alors, en tant qu'entrepreneur soutenant des entrepreneurs, et en particulier dans des quartiers de la politique de la ville, dans le monde rural, je dirais que l'impact le plus immédiat, c'est même pas le problème du coût du financement, c'est celui de l'état des finances publiques et de la nécessité pour le prochain gouvernement de faire des économies. Et forcément, vous avez évoqué l'enjeu de la politique agricole, mais il y a aussi plein d'autres leviers de subventions sur le tissu associatif, d'accompagnement des petites entreprises qui vont devoir s'arrêter, tout simplement. Alors, outre ces mesures qui pourraient être mises en place, telles qu'un retour à la retraite à 60 ans, par exemple, indexation des salaires sur l'inflation qui pèseront donc sur les finances publiques, à l'inverse, on peut se dire que ces partis dits extrêmes, on pense au Rassemblement national, vont peut-être se normaliser une fois au pouvoir, comme ce fut le cas en Italie avec Giorgia Meloni, finalement. Alors oui, c'est vrai qu'on regarde beaucoup la situation italienne pour comprendre un peu ce qui peut se passer. La grande différence... Parce qu'elle avait annoncé des mesures très fortes sur l'immigration. Exactement. Et finalement, elle est revenue en arrière. Il y a eu beaucoup de mesures qui avaient été annoncées anti-immigration. Et elle a fait des lois qui allaient plutôt dans le sens, parce qu'en fait, il n'y avait pas de main-d'œuvre en Italie suffisante. Et donc, il fallait faire venir des travailleurs. Bon, on a le même problème en France, sur énormément de postes. Donc, on voit que dans la pratique, il y a eu une dichotomie un peu par rapport au discours. À mon sens, la grande différence pour l'Allemagne et l'Italie,
qui sont des puissances industrielles contrairement à nous, en tout cas qui sont devant nous, c'est qu'en effet, en Italie, vous avez quand même le poids de l'industrie, notamment de l'Italie du Nord, qui est quand même très forte. En Allemagne, en effet, l'industrie automobile. Et donc, vous avez quand même un poids de ces industriels en disant attention, il y a le portage politique, mais sur l'économie, on ne touche pas trop à ce qui fait la richesse du pays. Et on voit en Italie, ça a quand même très bien marché. En France, comme vous le savez, on n'est pas une puissance industrielle. On voit que le MEDEF, très doucement, essaie d'alerter sur juste la mesure des retraites. On voit rien sur l'écologie, rien sur le programme de réindustrialisation, rien sur l'énergie, enfin, toutes ces questions-là. Il n'y a pas du tout cette même puissance. Et donc là, en effet, hein, à mon sens, il y aura moins cette soupape de dire, attention, peut-être qu'on met le business d'un côté par rapport à la politique. Là, vraiment, le tout est lié, on le voit dans les programmes. Et c'est pour ça aussi qu'il y a un risque qui est, à mon sens, plus important que ce que l'on pouvait avoir en Italie, par exemple. Alors, on l'a dit, l'écart entre le taux d'intérêt français et le taux de référence allemand se creuse. Est-ce que ça vous inquiète ? Ça ne m'inquiète pas dans un premier temps. Je pense, ça a été dit aujourd'hui, où effectivement les sociétés allemandes font attention, et l'Allemagne tout court, hein, c'est cette incertitude qui s'est installée. Je pense que tout le monde a été surpris, à la fois au niveau politique ainsi que le monde de l'économie. D'autant plus que la France se trouvait plutôt dans une bonne trajectoire, c'est-à-dire on avait le Choose France où l'Allemagne, encore une fois de plus, était le premier investisseur européen en France, d'ailleurs depuis 5 ans. Nous avons quand même un grand nombre d'entreprises allemandes qui s'installent encore en France. Donc du coup, il avait vraiment une dynamique positive. Aujourd'hui, évidemment, je pense le monde économique, mais pas seulement allemand, de manière générale, regarde un petit peu ce qui se passe. Et d'ailleurs, de ce que voudraient les entreprises, à la fois allemandes, mais je pense aussi tout le monde, c'est certainement une certaine stabilité. Et d'ailleurs, une France qui reste fort politiquement, économiquement et aussi financièrement. Et vous diriez que la France, aujourd'hui, elle fait peser un risque sur l'ensemble des marchés européens ? Le fait que la France et l'Allemagne représentent 40% du PIB en Europe, évidemment, la France, bien que vous dites, madame, la France n'est pas une puissance industrielle, bah, la France est quand même la deuxième économie en Europe. Ah oui, c'est pour ça, tout le monde... Mais c'est plus une économie de service. Voilà, mais les yeux sont quand même rivés sur la France. Qu'est-ce qui se passe ici en France ? C'est pour ça, je pense, notamment les questions économiques sont très importants aussi pour les investisseurs, comme ça a aussi été expliqué dans votre... Alors, petite parenthèse, en Allemagne, le SPD du chancelier Olaf Scholz a réalisé son plus mauvais score aux élections européennes, à peine plus de 16% des voix, en troisième place derrière l'extrême droite emmenée par l'AFD. Pas question, hein, pour autant, de convoquer des élections législatives anticipées. C'est quoi ? C'est une question de culture ? Je ne sais pas. Déjà, le score, enfin, les extrêmes en Allemagne ne sont pas arrivés en première place, déjà. Et en plus, je pense aussi que l'électeur a plutôt vu les élections en tant qu'élections européennes. D'ailleurs, attention, je rappelle, ce n'était pas des élections au niveau national. Par contre, la France... Mais ça n'empêche pas d'envoyer des messages assez nationaux. Rapidement pour un événement ou dans un événement qui s'est donc passé avec des conséquences politiques. Donc non, effectivement, et d'ailleurs, je peux en témoigner. Évidemment, on a été plutôt surpris par la réaction qui s'est passée en France, mais vous n'avez pas autant de réactions en Allemagne, bien que effectivement les partis du gouvernement ont perdu, mais sur le plan économique, il a eu beaucoup moins d'impact par rapport à la France. Et là, on voit quand même une continuité. Mais disons, le chamboule-tout politique n'est peut-être pas dans la culture allemande, le fait de dissoudre l'Assemblée. Enfin, c'est pas le même système. C'est pas dans notre culture, mais après, attention, on a aussi eu des changements politiques. Oui. Mais je pense encore une fois, il n'y a pas cette nécessité aujourd'hui par rapport à la situation du pays. Si vous regardez l'endettement et aussi la conjoncture, qui encore une fois soit pas brillant, mais je le rappelle quand même, l'économie allemande qui est soit en difficulté a quand même dégagé, par exemple, un excès d'export de 200 milliards d'euros. Donc oui, le modèle allemand, il est souvent critiqué et mis en question, mais pour le moment, c'est encore un facteur très stabilisant pour l'Europe et pour la France. Parce que je le rappelle aussi, l'Allemagne est et restera le premier client et le premier fournisseur de la France. Donc moi, je pense effectivement, la France, dans la situation actuelle, a vraiment besoin d'une Allemagne stable et forte aussi économiquement. Catherine, ce qui était particulier aussi en Allemagne, c'est qu'il y a eu un engagement des entreprises allemandes contre l'AFD et contre l'extrémisme d'extrême droite.
Donc ça, c'est quand même aussi, c'est-à-dire qu'il y a certes, les milieux économiques et financiers n'aiment pas la stabilité, mais ils ont très clairement dit que le péril, il était là. Et donc là-dessus, la position française, elle est aussi très ambiguë là-dessus. Donc la question de, en gros, ce que je veux dire par là, c'est les extrêmes sont les facteurs de chaos, mais quand on pousse les extrêmes à aggraver le chaos, forcément, il y a un petit problème d'interprétation. C'est-à-dire que là où je veux en venir, c'est que la position très, très prudente des milieux d'entreprise, nous, par exemple, on a essayé de trouver des dirigeants qui affirmaient, au lendemain de la dissolution, que le barrage à l'extrême droite était la priorité. Il y a eu des déclarations dans ce sens en Allemagne. Il n'y en a pas en France. Alors, on en a trouvé, il y a juste le mouvement Impact France, pour l'instant, mais c'est tout. Et parce qu'il y a un côté, non, on ne fait pas de politique. Bien sûr que si, on fait de la politique. L'économie, c'est de la politique. Et du coup, il y a toute cette espèce de côté qui n'a pas été embarqué dans ce projet de dissolution, visiblement, qui était de se dire, on peut faire des arrangements politiques et puis finalement, ça n'a pas tant de conséquences que ça. Mmh. Bien sûr que si. Et les marchés, ils viennent de dire, ça en a des normes dont on mesure à peine ce que ça peut être, et on mesurera peut-être un peu plus le 7 juillet, selon ce qui va sortir du chapeau. Et à ce stade, je ne sais pas très bien qui c'est qui va sortir du chapeau. L'autre problème, c'est aussi, si on change un petit peu d'échelle, parce que ça vient qu'on aime bien se regarder entre nous, mais c'est quand vous regardez ce qui se passe du point de vue américain et chinois. C'est vrai que l'Europe, depuis, on va dire, une dizaine d'années, donc, a eu le Brexit avec un Royaume-Uni quand même qui était fort, qui est sorti. Ensuite, on a eu quand même la difficulté en Allemagne, on le sait, l'année dernière, la récession. En effet, ce n'est pas une bonne nouvelle parce qu'on est premier client fournisseur. Donc si votre premier partenaire va mal, nous aussi. Là, on se retrouve avec cette situation en France où c'était un peu le seul pays politiquement qui arrivait à avoir une certaine durabilité, malgré en effet même ce qui se passe en Italie, aux Pays-Bas, en Autriche. Et donc là, on a, comme vous l'avez dit, la deuxième puissance économique qui a ça. Donc c'est vrai qu'en termes de visibilité, parce que l'investisseur, son champ d'action, c'est pas l'Europe, c'est le monde, ça fait une Europe qui, a des problèmes énergétiques, a des problèmes de dette et d'investissement, d'investissement dans l'innovation, et trois, maintenant, a eu des chocs importants. Donc c'est ça, à mon sens, qui est plus préoccupant. Vous m'offrez une transition pour la deuxième partie. Les taxes sur les voitures électriques chinoises devraient augmenter le 4 juillet prochain. Décision ce jeudi de la Commission européenne. Selon elle, les constructeurs chinois bénéficient de subventions de nature à fausser la concurrence. Les précisions d'Olivier Fessol. La menace planait depuis 9 mois. Les véhicules électriques chinois seront maintenant surtaxés à leur entrée sur le marché européen. Bruxelles estime que les aides publiques que Pékin verse à ses constructeurs fausse la concurrence et menace l'industrie automobile du vieux continent. Cette chaîne de valeur en particulier bénéficie de subventions injustes qui constituent une menace de préjudice économique pour les producteurs européens de véhicules électriques à batterie. BYD, le plus grand fabricant mondial de voitures électriques, se verrait appliquer des droits de douane d'environ 17%, Geely de 20%, et MG de 38% en arrivant sur le marché européen. Les véhicules de marque européenne produits en Chine seront eux taxés à 21%. Des mesures critiquées par Pékin, qui a menacé les produits agricoles et l'industrie aéronautique de représailles. Cette enquête anti-subvention est un acte protectionniste typique. L'Union européenne s'en sert comme excuse pour imposer des droits de douane sur les véhicules électriques importés de Chine, ce qui va à l'encontre des principes de l'économie de marché et des règles du commerce international, compromet la coopération entre la Chine et l'Union européenne et la stabilité de la production automobile mondiale. Ces nouveaux droits de douane s'appliqueront provisoirement à partir du mois prochain et définitivement à partir de novembre, sauf si une majorité d'États membres de l'Union s'y opposent. La Hongrie, la Suède et l'Allemagne ont exprimé des réserves. Berlin, qui est un important partenaire commercial de Pékin, s'inquiète pour ses exportations vers la Chine. La Commission hausse le ton face à la Chine, accusée de laminer l'industrie européenne avec ses subventions et ses prises imbattables. Anne-Sophie Alsy, vous diriez qu'il y avait urgence à agir ? Oui, en tout cas, c'est bien qu'il y ait une réaction. On regarde les chiffres. Quand vous regardez le rapport que publie la Commission sur les barrières au commerce, mais depuis 15 ans, vous avez vraiment une montée de ces mesures protectionnistes. Pas d'ailleurs qu'en Chine. On le voit en Russie, en Algérie, en Inde, en Amérique du Sud. Donc, tous les pays, depuis plus de 15 ans, mettent en place ce genre de politique. Et l'Europe, beaucoup moins, en tout cas sur certains segments juste de son industrie. On se souvient du dossier sur l'acier et l'aluminium lorsque la Chine devait accéder à l'économie de marché, qui aurait pu justement détruire ce marché-là.
où il y a une réponse européenne. Donc là, on le voit. Moi, à mon sens, mon problème, c'est que c'est bien, mais c'est peut-être trop tard. C'était ma deuxième question. Voilà, c'est peut-être trop tard parce que la Chine a des politiques industrielles sur 20-30 ans. Donc, sur la chaîne de valeur de la voiture électrique, ils ont absolument toute la chaîne de valeur, hein, absolument tout. Et aujourd'hui, hein, en termes de rapport qualité-prix, c'est-à-dire niveau performance des voitures et prix, hein, je sais pas, vous êtes allé au salon de Pékin de l'automobile, eh bien, vous avez vraiment une valeur ajoutée. Ils sont vraiment totalement différenciés par rapport à leurs concurrents en termes de nombre de marques et de qualité, c'est-à-dire autant sur les petits véhicules que sur les voitures de sport. Vous pouvez en avoir de très haut niveau à 60 000 euros, c'est à peu près la moitié que se fait par exemple Porsche ou d'autres véhicules allemands. Donc c'est ça le problème. Et sur les fameuses mesures de rétorsion, c'est vrai qu'on souriait hein, parce que on va y venir. D'accord. Ces mesures vont-elles donner du temps aux constructeurs européens, allemands de renforcer leur position ou est-ce que ces droits de douane arrivent un peu tard? Bon, moi, je peux moins m'exprimer sur le timing. Je voudrais plutôt m'interroger sur l'utilité. Parce que, numéro un, oui, c'est vrai, l'industrie automobile en Allemagne, d'ailleurs, qui emploie plus d'un million de personnes, et en France, de mémoire, 600 000 personnes. Attention, ces mesures... il y aura deux impacts, pas seulement sur les constructeurs allemands et aussi sur les constructeurs français. Évidemment. Donc ce n'est pas seulement, attention, une question allemande. Deuxièmement, ça impactera évidemment aussi les constructeurs allemands et français présents en Chine. Je rappelle, j'ai eu deux BMW dans ma vie. La première était produite et exportée des États-Unis. La deuxième a été livrée ici en France de la Chine. Donc cette voiture-là, elle sera impactée. Donc attention à ne pas se tirer dans notre pied. Troisième élément, les guerres, on sait très bien, ce type de mesure peut d'ailleurs résulter dans des mesures de la part de la Chine qui pourront donc impacter d'autres secteurs industriels. Et moi je pense aujourd'hui, ni la France, ni l'Allemagne, ni l'Europe a intérêt de se perdre à la fois entre la Chine et notre deuxième partenaire commercial, attention, qui est les États-Unis, ou qui sont les États-Unis, parce qu'aujourd'hui, je pense, ces mesures défensives, il faudrait aussi les alimenter par des mesures un peu plus offensives, c'est-à-dire augmenter la compétitivité de l'Europe pour pouvoir faire face dans les marchés internationaux, et pourquoi pas ne pas chercher aussi d'autres alliances, notamment en Amérique du Sud ou dans d'autres parties du monde, à travers des accords commerciaux avec de nouveaux partenaires. Anne-Catherine du Centre, je voulais... Mais en fait, il y a deux facteurs qui ne sont pas pris en compte dans cette mesure qui paraissent hallucinants. Le premier qui a été évoqué, c'est le fait qu'aujourd'hui, une voiture, c'est un assemblage de produits qui sont faits dans le monde entier. Donc déjà, le dire, il y a le marché chinois et le marché européen, ce n'est pas comme ça que ça marche. Et vous l'avez très bien décrit pour vos BMW, mais c'est valable pour toutes les voitures. Donc déjà, en soi, ça veut dire qu'on ne regarde pas le marché... tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire de la mondialisation avec des bouts et le made in quelque chose, c'est en fait là où c'est assemblé. Donc ça, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que dans le secteur automobile, il faut 10 ans pour qu'un prototype X devienne vraiment mainstream et soit distribué, etc. Donc là, le fait de se réveiller maintenant, pour dire, au fait, ce que vous disiez très bien, les voitures chinoises sont extrêmement compétitives et ont déjà envahi le marché européen, puisqu'elles sont déjà dans les ports européens. Ça n'a aucun sens, parce qu'en fait, la réalité, c'est que les constructeurs ne fabriquent quasiment plus, en particulier en France, encore en Allemagne, mais que de toute façon, ils n'ont pas l'offre qui va avec. Ils n'ont pas l'offre qui peut vraiment permettre d'en finir avec les voitures thermiques dès 2035. Et c'est ça le problème. Et ça ne répond absolument pas à ce problème. Sans parler du fait que des constructeurs chinois, tels BYD, vont construire des usines en Europe, on pense en Hongrie. Geely, je ne sais pas comment on prononce, lui prévoit de créer une usine en Espagne, qui est déjà construite. Et MJ en Espagne. Exactement. Du coup, on peut se demander à quoi servent ces droits de douane. Alors, la question, à mon sens, c'est toujours qu'on est souvent dans l'entre-deux. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, où on ne fait rien, on laisse un marché ouvert, ou voilà, on reste dans cette situation, comme vous l'avez dit, avec les risques de rétorsion, où on met en place des subventions et des mécanismes d'aide. Ce qui se passe, c'est qu'au niveau européen, dans beaucoup de pays, vous avez des mécanismes, justement, pour acheter votre véhicule électrique et pour essayer d'acheter une voiture, justement, européenne. Donc ça, c'est encore de l'argent public qui va et qui aide, normalement, les ménages à s'équiper. La question est, est-ce que cette aide, en tout cas, cet argent que la collectivité met pour que vous ayez la voiture électrique, est-ce que ça va profiter, en effet, à l'industrie chinoise ou d'autres pays? Donc c'est ça, un petit peu le problème, c'est-à-dire que où on fait rien, mais si on fait et on essaie de réagir, il faut être cohérent
Parce que comme il y a ces investissements-là et ces aides, il faut quand même qu'on se dise, bah, voilà, en effet, on donne des subventions, on aide le pouvoir d'achat, bah, ça profite qu'aux produits étrangers. On voit que les États-Unis hein, sont un petit peu dans la même disposition aussi hein, au niveau de ces véhicules électriques. Et encore une fois, là aussi, il ne faut pas être naïf, vous dites augmenter la compétitivité. On peut augmenter la compétitivité, mais le problème, c'est qu'en Chine, comme on l'a dit, hein, c'est une politique de 30 ans où vous avez des politiques de subventions qui sont énormes. Vous avez même la part du public aujourd'hui qui est super à celle du privé, donc vous avez vraiment une mainmise très importante de l'État sur l'économie de marché. Donc vous pouvez augmenter toute la compétitivité que vous voulez, on est juste dans deux systèmes différents. Donc après, c'est pas grave, mais c'est, à mon sens, c'est pas comme ça qu'on arrivera. Et juste pour finir, on dit les mesures de rétorsion. Là aussi, ça fait déjà 15 ans qu'on est dans les mesures de rétorsion. Sur les thermiques, vous vendez encore plus de 20% de vos véhicules allemands. Sur l'électrique, vous êtes à moins de 3%. Donc il faut quand même être très clair. On est déjà dans la guerre commerciale. On est déjà dedans depuis longtemps. Mathieu Carnetti, je voyais réagir. Et puis il y a peut-être aussi la question des prix, c'est-à-dire qu'avec ces droits de douane, forcément, les voitures vont coûter plus cher. C'est peut-être pas une bonne nouvelle pour les consommateurs et peut-être pas une bonne nouvelle pour l'électrification du parc automobile. Avant de parler des consommateurs, je voudrais qu'on parle des travailleurs. Parce que pour moi, il n'est jamais trop tard pour réagir et la preuve dans les urnes, les citoyens européens ne comprendraient pas qu'il n'y ait pas des mesures qui soient prises pour éviter la disparition de cette industrie. Alors oui, peut-être que c'est trop tard dans les faits, mais je pense qu'électoralement, il est important quand même de montrer qu'on essaye de faire quelque chose. Ça représente beaucoup d'emplois, comme vous nous l'avez dit, ne serait-ce en Allemagne, en France ou en Italie. Exactement, et on parle d'emplois ouvriers, on parle d'emplois qui sont bien payés. Et moi, je me rappelle qu'il y a maintenant plus de 30 ans, la menace sur l'industrie européenne, ce n'était pas les Chinois, c'était les Japonais. Et quand vous pensez à cette usine que Toyota a ouverte à Valenciennes, qui est devenue l'usine la plus productive du groupe Toyota, et quand vous savez ce que ça représente aujourd'hui pour le bassin de Valenciennes, ça vaut le coup de se battre et de ne pas se retrouver coincé entre la Chine d'un côté et les États-Unis de l'autre. Voilà, je pense que c'est bien de réagir, en tout cas pour les travailleurs. Après, pour les consommateurs, évidemment, dès qu'on met un peu de protectionnisme, on augmente les coûts. Les voitures électriques coûtent très cher, beaucoup plus cher que les voitures thermiques à l'heure actuelle. Attention, c'est entre 20 et 25% pour l'instant. Et quand vous regardez la courbe de progression, pareil, quand vous aviez votre premier smartphone ou BlackBerry il y a 20 ans, il coûtait beaucoup plus cher qu'un téléphone tout simple. Donc ça, c'est quand même tout à fait normal. Et on voit la pente des prix qui, quand même, décélère très, très fortement. Et en plus, si on a l'effet qui joue, on ne sera pas encore au même prix que les thermiques, mais quand même, on va pouvoir s'y rapprocher. Il y a aussi le marché de l'occasion qui va se développer, qui permettra aussi d'avoir des voitures moins chères. Donc voilà, on est vraiment dans une transition colossale. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait un effet d'ajustement. Je me permets de réagir sur le marché de l'occasion. C'est aujourd'hui le gros problème du véhicule électrique. Au-delà de l'offre, c'est surtout de la réparabilité de ces véhicules. Et c'est quand même qui pose problème aujourd'hui. Oui, puis en fait, il y a une transformation globale de la chaîne, c'est-à-dire que, et ça n'a pas été anticipé, c'est-à-dire que quand on dit garder de l'emploi, vous avez tout à fait raison, sauf qu'il faut l'adapter, l'emploi. C'est-à-dire que la voiture électrique, ce n'est pas juste changer de moteur, c'est en fait, ça ne se répare pas de la même façon, ça ne s'use pas de la même façon, ça n'implique pas la même approvisionnement. Donc, il y a vraiment tout un travail d'adaptabilité, et ça, c'est ce qui vraiment fait défaut aujourd'hui à l'Europe, c'est si sa seule mesure, c'est des droits de douane. Mais ce n'est pas le sujet, c'est un point parmi beaucoup d'autres. Et la transition juste, elle doit s'appliquer là, vraiment. On doit avancer, je suis désolée. Alors, quel avenir pour la politique européenne en matière de climat après les élections européennes? Le thème de l'écologie a été relégué pendant la campagne, très largement derrière des questions d'immigration, la guerre en Ukraine ou encore le pouvoir d'achat. Au regard de la forte progression de l'extrême droite dans toute l'Europe et des faibles scores des partis, Anne-Catherine Husson-Traoré, l'écologie est-elle condamnée à être une variable d'ajustement? Alors, j'espère bien que non. Et ce qui est intéressant, c'est que pas toute l'Europe. L'Europe du Nord n'a pas voté comme ça. L'Europe du Nord, qui avait une grosse poussée, en particulier en Suède, de l'extrême droite, a voté justement pour l'écologie. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a par exemple M. Philippe Lamberts, qui est le leader écologiste de la Belgique, qui a très bien dit, en fait, ça va dépendre de ce qui va se passer. C'est-à-dire que la lecture médiatique qui est faite aujourd'hui, c'est qu'il y a une poussée de l'extrême droite, le PPE veut faire alliance avec l'extrême droite, donc le Green Deal, au mieux, il ne bouge pas, au pire, il est complètement détruit. Et c'est ça qui est très grave, c'est que comme cette campagne aurait dû être celle du pro-Green Deal contre anti-Green Deal, et que du coup, les citoyens auraient pu se prononcer là-dessus, parce que le Green Deal, c'est quoi? C'est le plan A, B, C, D de l'Union européenne pour être compétitive.
C'est ça l'histoire en fait. Et sauf que cette histoire-là, politiquement, n'est jamais présentée comme telle, puisqu'il y a les normes environnementales, cette horreur que voudrait imposer. C'est vrai qu'il y a eu des mouvements, il y a eu le mouvement des agriculteurs, il y a eu beaucoup de. Oui, mais c'est le problème de la lecture. Et qu'est-ce qu'on demande aux politiques ? De faire la lecture pour les citoyens de ce à quoi ça sert. Si on l'a fait façon poujadiste ou populiste ou ce que vous voulez, qui est de dire c'est des gens qui veulent vous emmerder, qui veulent vous embêter parce qu'ils sont à Bruxelles. Pour un modèle qui va vous apporter que des ennuis, évidemment, ça donne pas envie. Si effectivement on explique en quoi tout ça est un projet de transformation dans lequel, du coup, en Europe, qui reste jusqu'à maintenant une zone préservée, même s'il y a la guerre en Ukraine, pour faire quelque chose d'écologiquement soutenable, là, ça va aller. Mais c'est vrai que la lecture qui va être faite du résultat des élections, ça dépend de ce qui va se passer dans les 3 semaines qui viennent. Je voudrais vous entendre réagir, Patrick Brandmeier, là-dessus. Donc, ce qui est très intéressant, attention, le parti qui a perdu le plus pendant les élections européennes en Allemagne, c'est le Parti des Verts. À travers de ça, déjà, le parti au niveau européen, il a perdu des sièges, donc ça peut quand même, en quelque sorte, aussi impacter de manière générale le sujet. C'est peut-être aussi l'usure du pouvoir, en l'occurrence. Au contraire, moi, je pense... Enfin, pas au contraire, mais maintenant, regardons un petit peu ce qui se passe dans les entreprises. Moi, aujourd'hui, je constate quand même que la plupart des entreprises, ils ont pris leurs mesures. Beaucoup des décisions se font déjà sur base comment je peux réduire mon footprint CO2. Donc aujourd'hui, je pense que là, le sujet, ce n'est pas les entreprises. Par contre, ce que les entreprises ont besoin, c'est vraiment une stabilité d'un cadre régulateur qui va leur permettre vraiment d'investir avec une certaine fiabilité. Parce que rien de pire de dire il faut sortir du moteur ancien. On sait par exemple que l'Allemagne, il faut peut-être revenir. L'Allemagne précisément, sous la pression des constructeurs, des industriels, eh bien, a réussi à introduire une exception à cette interdiction des moteurs thermiques à horizon 2035 en imposant ou en faisant accepter les moteurs qui utilisent des carburants de synthèse. Il faut se poser la question pourquoi ? Parce qu'on voit aujourd'hui, malheureusement, pas tout le monde avait, il n'a plus ce luxe Tesla, d'avoir des investisseurs qui arrivent avec de l'argent et on n'est pas obligé de créer des profits. L'industrie automobile européenne, et d'ailleurs je le rappelle, allemande, française et autres, a quand même cette obligation de créer des résultats. Et si on voit aujourd'hui que la demande, elle voit beaucoup moins dans la partie électrique et plus dans les autres, bah évidemment, les constructeurs vont devoir adapter leur modèle. Mais c'est pour ça, je pense qu'il faut plutôt fixer les objectifs et laisser le choix technologique aux constructeurs, par exemple, comment on peut y arriver, au lieu d'imposer un quota qui est, on le voit actuellement, peut-être très difficilement atteignable. Anne-Sophie Elsif. Le problème, je reviens à mes problèmes de bloc, c'est toujours en effet en Europe, mais aussi regardons toujours aux États-Unis, en Chine. C'est vrai qu'en Chine, vous voyez des villes entières comme Pékin ou Shanghai, vous avez plus de la moitié avec une plaque verte, une plaque jaune si vous n'êtes pas électrifié, qui est déjà dans ces tendances-là. Donc là, on est vraiment, si vous avez une plaque qui n'est pas, vous n'avez pas une voiture électrique, vous avez une plaque d'une couleur différente. Alors c'est un peu stigmatisant, vous allez me dire, mais voilà, c'est vraiment très clair, le ton est données et le programme est sur les 30 prochaines années. Aux États-Unis, en effet, ce n'était pas l'économie de la décarbonisation. Bien évidemment, toutes ces mesures, ça visait l'indépendance par rapport à la Chine. Mais tout de même, encore une fois, on utilise l'écologie pour se réindustrialiser sur cette question où il pourrait avoir plus d'autonomie. Et c'est vrai que quand on revoit le débat en Europe, où on se dit ah bah, finalement, on va peut-être remettre notre objectif en 2035, pouvoir, etc., ça paraît juste surréaliste. Surtout que les constructeurs ont pris les mesures pour s'y adapter. Voilà, des investissements colossaux avec vraiment des plans de sortie. Donc là aussi, c'est très compliqué de dire ah bah, on verra, etc. Et puis sur le marché, surtout là, c'est une transition colossale. On parle de la voiture électrique. Mais la voiture électrique, ce n'est pas une voiture thermique, justement, notamment dans son fonctionnement. Les différentes voitures, c'est quoi ? Ce sont des bases de données, ce sont des ordinateurs qui sont, on va dire, déclinés. Vous avez votre portable, vous avez votre voiture. D'ailleurs, bientôt, vous l'achetez comme votre portable. Donc derrière, il y a toute la technologie, il y a toutes les données. Vous savez exactement ce que fait l'utilisateur, où il va manger, où il va faire ses courses. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes enjeux. Mmh. Et donc, c'est vrai que te dire... Marché, et ce n'est pas le même marché. Donc, revenir, on va dire, à peut-être des objectifs de parc vert, enfin, en termes de compétitivité, vous en parlez, c'est surréaliste et c'est vraiment un marché où, en gros, ce sera le premier qui sera là, qui sera servi, comme souvent dans ce genre de transition. Donc, comme vous voyez en Chine ce qui se passe aux États-Unis, là aussi, il faut vraiment faire très attention à mon sens. Mathieu Cornetti. Je veux revenir sur un mot qui a été cité, qui est la transition juste. Et je trouve
Le résultat aujourd'hui, c'est quand même le fruit d'une grande paresse européenne. On s'est focalisé sur Green Deal, okay. On a mis de côté les enjeux sociaux. Mmh. Voilà. Donc c'est bien, sur un point de vue purement financier, on a avancé sur une taxonomie, donc définition de la durabilité qui est verte. Définir quelles étaient les énergies qui pouvaient être cataloguées vertes. Comment flécher l'argent sur les sujets verts, environnementaux, en mettant de côté et en repoussant pour la prochaine commission les enjeux sociaux. Bah, à la fin, effectivement, quand on pose aujourd'hui la question de l'interdiction des moteurs thermiques, on se dit, mais ça sera peut-être un problème pour ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir une voiture électrique. Et on revient ensuite en se disant, mais en fait, peut-être que socialement, ce qui est cette transition, ce qui est ce changement climatique avec une urgence environnementale, c'est d'abord une priorité sociale. Parce qu'il va falloir que tous ensemble, on puisse l'accepter et qu'on ne se retrouve pas à chaque élection, ou à chaque, en France, ce n'est pas que les élections. Vous avez évoqué les gilets jaunes, mouvement social. Chaque mouvement social, voilà. On remet tout en question et on n'avance finalement jamais. Mais ce qui est très important, c'est que le Green Deal, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que c'est vraiment une vision globale de la transformation, de l'agriculture, des transports, des bâtiments, etc. Et que comme les politiques n'ont pas porté, aucun dirigeant politique européen n'a porté cette vision-là, qui est de la transition juste, c'est-à-dire qu'effectivement, on embarque tous les sujets. Et que si on arrive à la décarbonation, ça donne ça. Je suis entièrement d'accord avec ça. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de dirigeant politique, et ce n'est pas le résultat des élections qui va arranger les choses, qui va porter ce que c'est que de la transformation, ou bien évidemment, et le devoir de vigilance, c'est une dimension sociale qui a été quand même dans cette mandature-là. Donc la question qu'on a et qui pose un problème fondamental et qui ne s'arrange pas du tout en ce moment, ça je suis entièrement d'accord, c'est le fait qu'on puisse avoir un projet politique, au sens noble du terme, qui permettent d'avoir des trajectoires, des trajectoires certes de carbone, mais c'est tout ce qu'on a. Il y a eu un reportage récemment à Fos-sur-Mer. Et donc, ils sont tout contents parce qu'il y a une usine d'ArcelorMittal qui décarbone de façon manifeste. Ce que disaient les habitants, c'est que nous, nos problèmes, c'est la pollution. Donc, on a le cancer, le diabète, etc. à cause de ça. On décarbone, ça n'a aucun impact là-dessus. Donc, tant que vous n'aurez pas cette vision holistique de se dire à Fos-sur-Mer, c'est quoi le problème ? C'est globalement une zone industrielle qui rend malade les gens qui y travaillent et qui vivent à côté. Donc, comment on travaille là-dessus ? C'est pas en décarbonant, ça, c'est sûr. Et donc, c'est vrai que là-dessus, le Green Deal, comme tel qu'il est vendu aujourd'hui politiquement, pour répondre à la question, c'est effectivement une source d'embêtement. Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que c'est une vision politique majeure dont personne ne s'empare vraiment et dont on n'a pas eu le courage démocratique de poser clairement la question aux citoyens européens, de leur dire « voilà le deal ». C'est un assez beau deal parce que ça vous promet un avenir relativement, enfin même un avenir qui pourrait être bien meilleur pour vous. Et c'est pas ça qui s'est posé comme question. Donc je sais pas jusqu'où on va. Va-t-il avoir une seconde chance ? Alors, ça dépendra des accords sur la mode nord-lingue. Je pense, parce que l'Europe avance toujours par rapport aux crises et par rapport aux autres. Alors, c'est bien ou pas bien, mais malheureusement, ce sera le cas. Et sur cette question, ce qu'on voit au niveau mondial ou même européen, c'est que l'idée, c'est en effet d'être premier sur les marchés, de voir comment on le fait, mais aussi, vous l'avez dit, c'est un projet global. Le problème en Europe, c'est qu'on segmente. D'un côté, il y a le Green Deal, donc attention, c'est sur l'énergie, c'est la norme. Ensuite, il y a la politique industrielle. Donc, comment on l'applique à la politique industrielle ? Et puis après, il y a le social, amasse le citoyen, qu'est-ce qu'il va avoir en termes de pouvoir d'achat ? Alors que non, quand vous regardez ce que font nos partenaires, c'est quoi ? En Chine, on dit, vous êtes éduqué, vous vivez en ville, votre pouvoir d'achat augmente, et donc vous allez avoir une voiture propre. Donc, la personne qui a une voiture propre, c'est comme quand on avait une grosse de BM à l'époque, c'était la personne. C'est la personne qui réussit, qui le montre quand elle va aller en famille. En France, etc. En tout cas. Voilà, en Chine, pour l'instant. En Chine, c'était le cas. Donc, bien sûr qu'il y a ce récit qui est associé dans ces objectifs-là. Ce n'est pas juste cloisonnement, on applique. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, pareil, ils font des voitures électriques, mais énormes. Nous, c'est vrai qu'on se dit, électrique, ça veut dire on va faire des véhicules moins gros, on va essayer d'être plus vertueux écologiquement. Là, pas du tout. Les voitures n'ont jamais été aussi énormes, consomment une centrale nucléaire quand elle se déplace, etc. Mais voilà, les citoyens sont aussi embarqués dedans. Donc là, il y a vraiment l'idée de dire on fait la transition comme une opportunité économique. Et en Europe, à mon sens, on n'est pas dans cette vision. Il reste à peine une minute. Mais je dis quand même attention aux instruments. Je pense, les États-Unis d'ailleurs, pour les avoir cités, ont quand même appliqué une politique très intéressante, a intéressé les entrepreneurs privés à vraiment investir et à faire vite. D'ailleurs, attirer des entreprises allemandes. L'Europe, une fois de plus, est dans la régulation et d'ailleurs, qui pose problème aujourd'hui et qui demande, en outre de ça, aussi
des investissements colossaux pour les entreprises pour faire cette transition. Mais ça n'est qu'un seul pays et non pas 27 comme en Europe. C'est un privilège que nous n'avons pas. En tout cas, merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.